à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue ici au boulevard des Légendes, au Stade Saint-Symphorien, pour le coup d'envoi de la 7e cérémonie des lauriers des collectivités locales de la Moselle. Pour nous, c'est essentiel et ça n'était pas envisageable de ne pas être un partenaire à côté de cet événement parce que ça marque la vitalité de la Moselle, parce que ça marque la place que tiennent aujourd'hui les communes, les intercommunalités, le département et puis parce que ça permet de donner l'image aujourd'hui de l'investissement qui est conduit en Moselle. Et vous savez combien la Moselle tient à la fois à son attractivité, à son développement économique et puis à l'investissement aux côtés des communes et des intercommunalités dans l'intérêt des Mosellaines et des Mosellans. Ben, nous en sommes contents et très fiers. C'est vraiment l'aboutissement d'un très beau projet pour notre commune. Donc c'est dans la continuité de la sauvegarde du patrimoine. Pourquoi aujourd'hui être partenaire des collectivités territoriales? Mais écoutez, parce que dans les préoccupations qui sont les miennes maintenant en tant qu'homme disponible, puisque retraité, je m'intéresse beaucoup au bien-être des travailleurs, à la santé, à la sécurité. J'en suis fier, j'en suis content, je le serai davantage encore lorsqu'on aura pu assumer davantage d'accompagnement de projets émanant du secteur public, donc des collectivités territoriales, que nous ne l'avons aujourd'hui. Vive la Moselle et à très bientôt. Belle soirée à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.